Et salut à tous et bienvenue. Je suis Cluguez pour vous servir et j'espère que vous allez bien. Bah aussi bien que moi, que ce qu'on a vu cet après-midi, hein, voilà. Parce que deuxième live du jour, parce que envie de jouer, parce que voilà. Bonsoir Blue, bonsoir les arrivants, on va arrêter de de dire de la merde, hein, parce que voilà. Deuxième soir de notre semaine Diablo. J'avais hâte. J'avais un peu hâte. J'avais même beaucoup hâte. Parce qu'on va repartir dans la jungle de Khorast. Même si techniquement, bon, dans Diablo 2, c'était peut-être la pire zone du jeu. Mais en vrai, bon. Du coup, on va reprendre ça. La jungle de Nantou. Oui, Salutations, aventuriers. qui se passe dans la zone de Accrochez-vous et Khorast, racontez globalement, l'histoire de et... votre empreinte. Voilà. Allez, En voilà un choix audacieux. n'est-ce pas? On va évidemment... passer en jeu très rapidement hein, parce que qui dit multi dit que j'ai envie de jouer beaucoup trop plein. Go, on y va. D'accord. Ouais. Captivant, non? Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Mais ça va bien, toi? Eh bah nickel, nickel, je regarde s'il y a des nouveautés aujourd'hui. Et j'ai pas faux. Et Non, bonsoir, non, parce que bon, Raven. tout live Diablo commence par tour dans la boutique. Oui. Oh. Très bon choix. Alors, ça fait pas du tout Diablo dans l'idée, je trouve, mais qu'est-ce que c'est stylé. Ouais. Ouais. J'aime Et beaucoup, hein, bonsoir, mais bon, Raven. je vois pas mes persos avec Ah ça. non, pas de souci. Pas de souci, en soi, j'étais là pour la moto Je crois d'Arden et ce j'ai quand même décidé skin-là, de faire un petit tour de genre, l'histoire. il y en avait un différent aussi pour voleur, du Alors, même genre. toujours mon bébé. Je sais pas pourquoi D'accord. ils en ont fait un deuxième. Pour se Je faire vous plus de appelle pognon? ça mon bébé, quand même. Peut-être. Elle est belle, hein. Je serais même pas étonné, tu vois, bon. Comment c'était pas sincère. Je suis choquée. Vous avez tellement hésité. Mais c'est un nain ce barbare, non? Ouais, Enfin, c'est cette ça. barbare, Bah, c'est j'étais une naine. noire, on va dire. C'est vrai. Et quoi? Ah, bah, l'artwork qu'ils ont Non, mis ça pour une sent tenue du tout à fait barbare, j'ai l'autre l'impression de voir une naine. côté. Je vous taquine pas. Ouais, je sais pas. Ah, je sais pas, dans les proportions, ça me fait penser à un C'est nain, vrai qu'elle est sobre. En sobriété, D'accord. je vois. Alors que pas du tout, hein, mais par contre, putain, le charisme de Quoi? Starmur. Pack combo Ah de la d'accord. cage d'os, c'est Bon, 2800 pièces de platine pour des objets de dos. merci. Vous foutez des gens, quoi? Je vous Souhaite souhaite bon courage. enfin, pardon, Et mais... le bonjour à Denis. Ça va pas bien, hein? Vas-y, Et le bonjour à Denis et bon courage C'est à dans toi. contenu additionnel. Ah. Alors... Non, faut prendre soin du petit bébé. Cache d'os. Putain, mais... What? Vous allez voir, il C'est est que des objets génial, de c'est un dos. gars en or. Je vois. Ah, t'as des armes avec, mais... Ouais, mais... Ouais. Mais bon... Moi, à partir du moment où il n'y a pas d'armure, je chie. Hein. Ah ouais, non, mais je suis bien d'accord. Hein. Oh, la faux est sympa, là. Mais bon... Oh, il y a même eu des bottes, ouais! Elle fait coucou? Bah, elle fait même pas coucou. Je suis un peu triste. Ça méritait un squelette qui fait coucou, je suis Un désolé. choix intéressant. Message du destin. Madame de la boutique, calmez-vous.
j'ai cliqué sur un truc, elle me dit « Laissez-moi vous en montrer davantage. » Alors, je viens de chez vous, je trouve que ça va très vite entre nous. Elle m'a dit que j'étais une très bonne productrice, qu'elle avait rien à faire. Non, mais de toute façon, pour claquer le pognon, let's go. Je vais être vexée, mais je vais bien. Aïe. Je sais pas pourquoi, mais ton micro depuis un moment il est ultra sensible. Sans deck ? J'ai absolument rien changé. Ah non, tout va bien. Et vous ? Alors, oui, je pose la question, mais c'est un peu débile. Attends. Mais il va pas s'y mettre ce chat. Attendez, tac. Est-ce que j'avais ça de démarrer ? Ouais. Ouais, non, pour cent. Tech. Ouais. Je sais pas. Juste pour savoir, t'es parti de quel côté? Tac, là on va essayer okay, ça. Je peux klaxonner pour te dire que j'avais besoin de faire de l'essence. Peut-être plus là éventuellement. Ouais, non, j'ai absolument rien qu'à changer. D'accord. Hello, Iseline. Et rue. Après, attends. Bon, désolé pour le bruit que ça va faire. Tac, et puis bon. L'impression qu'on me prend et qu'on me déplace là. bah, ça, un peu ce qui s'est passé. enfin, vraiment un peu. Très bien. Ouais, bah, tu me diras si c'est mieux. Mais ouais, je. Non, je vois pas ce qui aurait pu changer. Ouais. Je sais pas. J'entends de loin, je préviens, j'ai pas de. C'est un Yeti. Ouais. 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 Ils ont que en termes de détection de voix, c'est. En fait, c'est comme Discord. Des fois ça marche. Et des fois. Bon. Voilà. Bah après les Yetis sont connus pour être un peu voilà énervés en termes de détection. Hein. Ouais. Ouais mais des fois tu fous un paramètre et t'as l'impression que c'est mieux et quelques temps après c'est plus mieux. Ouais ouais c'est pour faux.
Mais ouais, non, je saurais pas dire le pourquoi du comment, j'ai pas d'explication. D'accord. Bonjour, comment allez-vous? Alors, tac, Alors, en tac. même temps, vous êtes trois, donc. Tac et tac. Ouais, mais vous saurez jamais si je disais ça pour vous ou juste pour vous. Sinon, je suis de nouveau arrêté. Ah merde! Bon bah. Du repos! Hein? Attends, une seconde. Ouais! J'arrive. Non, je veux Bah pas la oui. boutique par contre. Ah, mais oui, ça c'est pas faisable quand t'es en groupe, oui. Voilà. Yep. Qu'est-ce que. Ah oui, aller faire un bastion pour bien commencer. Ah, C'est vrai. d'accord. C'est vrai. Ah, c'est compliqué de faire des tourbillons en grand Tisha. Oh, j'avoue. Ah, je. Mais à pied, c'est mieux, hein. Ah oui, à pied ça marche tout de suite, beaucoup mieux. Hein, Cannibale mort. Eh bon, on les regrettera pas. Ah, bah, très bien. Vraiment l'impression de suivre un chat qui pue, hein. Oui, bah, hein. La fille de la haine réclame du sang. Ah non, la fille de la haine, Non, la non. fille de la haine, c'est l'histoire ancienne, Jacqueline, hein, faut se Partie, mettre à la page. fallait se coucher au bout d'un moment, Jacqueline. Hein, Faut ouvrir un journal, hein. Regardez BFM TV, hein. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est? Mais Peut avoir des. Ah. Survivez. D'accord. Ouais, dormir surtout. Ouais, bah. Tiens. Va falloir, ouais. C'est pas eux les sacrifices? Ah mais non, faut pas qu'il y ait de sacrifices, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je t'envoie, faut tuer les sacrifices, mais non, non, c'est non. Ah, je suis lent, ah, je suis plus lent. Y'en a eu un. Qui porte le sang de l'élite, elle aura votre... Oh mon dieu. Allez, ciao. Ta gueule, toi. Ça, c'est fait. Ouais, ça, c'est bien. Attends, il y avait quoi? C'est nul, j'arrive pas à monter sur le canon. Ah non, je pensais que. Ouais. Bah, celui de Rome. Bonjour, toi. Ah, il y avait un hôtel. Là-bas. Ça va? Par là? Là. Bah, Ah, j'ai pas pas fait, à tiens. venir, je tourne en rond, Bah, j'ai vite même pas fait. envie de venir. Oui, c'est ça, comment t'as su? Ta-ta-da. Ah oui. Hop là. C'est bon, merci. Et il y aura. Tu reprendras quand tu seras Ah, le prêt. GPS y est bourré. Tu me dis à Bah, droite, prêt? j'y vais. Dis... Non, finalement, c'est à gauche. Tu es les champions Dis-moi où. Hannibal. Va pas être trop compliqué. Wow. Par ici. 19 points. Voilà, de 1 du coup. Ah. Sans votre aide, je n'y serais pas arrivé. Du retard entre problème de QD et une boutique à regarder, j'ai pas eu le temps passer. Bah, pas de soucis. De toute façon, j'ai pas du tout commencé le live à la bourre donc. Au secours! Je vous en supplie! Allez, 19 points.
tête gueulée. Oui. Bah j'avoue. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Michel qui traverse. Laisse-moi passer. À l'aide, je vous en prie. Oh. Mais j'arrive pas. Si c'est bon. Oh, soyez béni. Je peux te... T'arrives à ouvrir la porte ou... Ouvrez cette porte. Ça c'est ok. Police. Vous avez pas une autre porte s'il vous plaît? Oui, il y a une autre porte. Il y a mieux. Par la lumière, cette puanteur. Depuis combien de temps idolâtre-t-il ce cadavre? Ouais, sympathique par ici. Ouais, bah revenez. Tirez-vous. Il pleut des gens. S'introduisent dans le temple de notre dieu. Non, il prend des bains. Il résiste et nous attaque. Mais notre dieu. Vous avez pénétré dans le temple de notre dieu. Ah, ils ont coupé la parole au livre. Je sens votre chair. Réduisez à l'aide. Je vous en prie. Ah, j'avais pas vu. Ça va. Sans votre aide, je n'y serais pas arrivé. Ah, bah voilà, là on peut ouvrir la porte. Ah, d'accord. Du coup. Ah boule ce chat. Machin est en train de dormir et puis il sursaute. C'est des cauchemars. Oh bonjour. Bah, au revoir du coup. Du coup ciao. Capuche. Ah non, c'est pas du tout une capuche. Non. Oh et Jean-Michel, reviens hein. Ah bah salut hein. Ah. Oh, phase 2. Ouais, salut phase 2. Ah pu. Ah, ravi de t'avoir rencontré. Non mais en même temps c'est le meilleur étage du meilleur. Et maintenant... Ah oui, sonner les cloches, tout ça, non, tout ça. Mais c'est comme ça que ça se fait. On se faire sonner les cloches. C'est découvert sur TCG, quand on met un mode pour changer la musique de fond, ça fait des pop tous les clients sauf un homme nu. Oui, j'avoue que oui, ça doit faire bizarre, oui. Coincé. C'est bon. T'es un très bon, Charles, c'est le meilleur. Oui, bon, et ça va, hein. Ça va, les cloches. Ah, je pouvais pas faire sonner les cloches tout seul. Ah, y a un coffre qu'on n'a pas ramassé et qui était ici, j'espère qu'il est disparu. Ah, j'ai pas vu. C'est dégueulasse. J'avoue, c'est dégueulasse. Pourquoi le machin il dépop quoi? Tiens. Ça mais comment ça, il y a encore des connards? Ça suffit hein. Bah heureusement qu'on a libéré la zone hein. C'est pas hein. Bon, trouver Variana du coup. Aïe. Aïe. Michel, je suis en train de m'équiper, arrête de me tirer dessus. Malheureux. Mais on roule surtout. Pardon. Wow. Oh, il y a Uber Cheval qui est passé là, vite de Dieu, ils étaient pressés hein. Putain. Non, un petit...
Ah là. Amenez Varyana au garde-manger fétide à l'entrée du temple. Quand elle sentira la chair, elle nous reviendra. Conformément à nos préceptes, elle mangera ou sera mangée. Je dois continuer à chercher. Elle. D'accord. Je vais enlever ce machin. Ça suffit. Hein. On s'est battu ici. Bien que ces cannibales aient péri, on devine d'après les empreintes qu'on les a tués. Ce qui les a tués, ils se réfugient dans la cave à proximité. Ah, direction la Batcave. Let me in. Moi je vais avec qui veut, où il veut. Objet de TP, c'est ça? Ah ouais, c'est vrai. Non. Franchement, si s'il y avait une manipulation aussi chiante, ça se saurait. Hein. Oui. Bonjour. Bonjour. Non, il est. Il est chiant. Ta gueule. Voilà. Oui. Vous tuez tous. Vous tuez tous. Oh, je suis désolée. Mais je me rends étrangère. Je me rends. Expliquez-vous sur le champ. Retenez vos coups. Au nom du ver boursouflé. Pas sur un champ, on est dans une cave. Je vous jure que ma vie vous appartient. Mais je dois d'abord prendre ma revanche sur ceux qui m'ont fait du mal. Appelez-moi Varyana, ou bien mercenaire, ou bouchère. Mon but est de me venger des chefs cannibales qui m'ont chassé de mon clan. Tu porteras le nom de Jacqueline. Je refuserai la mort tant que mes ennemis ne seront pas morts de ma main. Je refuserai. Alors qu'en vrai, si on l'appelait juste Yana. Bah oui. Ah oui, gerbé dessus là, très bien. Pardon Jacqueline, mais je me casse, hein, avant qu'elle me refasse les chaussures. Hein. J'étais en train d'écrire, ok, mais il est où le champ? Oh, il fait jour! Comment ça va? Je suis dans cette fosse. Et nuit, il y a vraiment 2 minutes là, non? Ah oui. Je ne sais même plus qui sont mes ennemis. Heureusement que je ne vous ai pas tués. Oh. Vous m'avez vaincu. En vertu de la loi de mon peuple et de celle du ver, vous avez le droit de me dévorer. Bon, ça va, j'ai pas faim. Avant, je dois passer 2 chefs cannibales par le fil de mon couteau. Grelkar le veulent. Et Zolmog. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont banni. Ils ont entaché mon honneur. Et je les déteste. Je dois les éliminer, étrangère. C'est d'accord. Dans ce cas, allons trouver Grelkar dans sa salle de banquet. Les cannibales, oh, j'ai eu peur de la fin. Fidèles à Grelkar, occupent les escarpements indomptés. Il y en aura bien un pour nous dire où le trouver. Je sais pas, quand elle a commencé à dire salle de banquet, ça, pour moi ça fait salle de bain. Ah. Et du coup, j'ai comment ça? Sur les terres que vous avez trahies, Varyana. Ouais, si on jure. C'est fait. La main tranchée. Vous voyez cette carte tatouée sur la paume. On se dépêche. C'est pas plus con que de faire des plans sur le, dans le dos, hein. Oh,
Oh, il y a un gobelin. Nous y voilà. Ce doit être oh, il nous a vu. Reviens. Arrêtez-le. Abattez-le, Legolas. Non, non, non. Premier essai. Ça a été petit chien. Légendaire. Commence bien la soirée. Hein. Ça dit quoi? Bon. Est-ce qu'elle offre quelque chose de mieux? Alors. Aïe, oui. Voilà. Jacqueline, arrête de faire des allers-retours là. Parce que si les compétences de gorille, anyway, je l'utilise pas. Oh, tirez-vous. La fameuse salle de bain. Mais. Nous pouvons pousser Grelkar à nous dire où trouver Zolmog. Ça a l'air de s'amuser par ici. Ça gueule. Ouais, ouais, ça gueule de partout. Hein. Grelkar, où est ton maire? Il me reste. Oh, il a implosé. On ne saura jamais. On n'a pas le temps de poser la question. Où se trouve Zolmog? Parle! Brûlez les. Ah, là. Ah! Qu'est-ce que vous faites? Ma tribu a un rituel qui permet de connaître des bribes de l'avenir. Mais il a un prix. Taisez-vous. Et là, en fait, c'est pas ce qu'on croit. Elle le pompe. Pardon. Ouais, c'est... je connaissais pas cette technique. Ah, c'est rituel très intéressant. Oh, dirait le garagiste qui t'enlève des morceaux, tu sais, ouais, ça avait pas besoin. Hein. Mais Jacqueline, ça sert à rien de lui chanter une berceuse, il est mort. Ne me regardez pas. Ça va, j'ai vu bien pire. Hein. L'ASMR cannibale, c'est quelque chose, hein, Oh, Jacqueline, elle fait les mêmes bruits de gobelins que dans FF16, là. Roi tire une couronne dedans. Un trône fait d'os. Un roi de la chair fait de chair. Zolmog. Consacré à Gul'ran. Zolmog à Gul'ran. Gul'ran. Mmh. Mais t'as un coup, t'es tout blanc. J'avoue. Nous partons pour Gul'ran. Tout de suite. Très bien. On y va, on y va. Charmant votre truc là, je... C'est local, c'est... Je sais pas, mais... On va les laisser, hein. Oui, ah oui. Et maintenant? Les rues de Gul'ran grouilleront d'une foule venue aduler Zolmog. Tout le monde fera en sorte de protéger son couronnement. Cela dit, si nous parvenons à mettre la main sur un bateau, nous pourrons pénétrer dans la ville par les quais, qui sont beaucoup moins surveillés. Mmh. Et c'est où ton... Oh, c'est pas si bon. Hein. Bon,
préparez-vous. J'avoue, bon. Les packs de mobs là, ça va aller. Hein. Ok, ok, ok. Pourquoi j'ai une accélération sans raison? C'est quoi ce sprint qui dure une heure et demie là? Le ver nous récompense. Cette barque fera l'affaire. La... J'ai pas compris. Moi j'imagine que... Sors de ton trou, ouais. Zemog. Je vais t'étriper. Non. J'aime comment plus ils sont nombreux, plus on les tue vite. C'est quoi que j'ai vu passer? Ah, c'est un mec. Ah, c'est... Oui, c'est probablement Michel. Qui a fait une charge de bouclier. J'ai eu un truc traversé. Ah, le cul. Allez, ça faisait longtemps. Non, des thunes. J'avoue, plein de pognon. Mais en vrai, j'en viens me demander si bon, on va pas passer en mode difficile, hein, parce que... Quel est le plan? Vous les entendez? Vous les entendez faire la fête? Ce misérable exhibe déjà son pouvoir. Le festin sera à notre avantage. Nous pourrons nous perdre dans la foule, nous rapprocher de Zolmog et l'égorger avant même qu'il ne nous repère. Ah, j'ai empoisonné les bouts de bois. Je vous avais laissé vivre car vous n'aviez aucune importance. C'est toujours le cas. Mais je serai moins clément cette fois. Je suis revenu prendre ta tête, Zolmog, comme j'aurais dû le faire depuis des années. Je ne repartirai pas les mains vides. Zolmog, je présume? Présentez vos hommages à votre roi tyran, cher Varyana. Peut-être vous laisserai-je vivre. Tu n'es pas mon roi, Zolmog, et tu ne l'as jamais été. Je ne serai plus jamais des vôtres. Oh. Ce n'est pas une habitude qui se perd, mon ami. Vous le savez sans doute aussi bien que moi.
Et vous connaissez la loi de notre peuple. Manger ou être mangé. Nous en avons Allez. Terminé. Je n'ai plus de parole. Prenez ma vie comme nous avons pris celle de Zolmog. En fait, je vais pas te tuer, Jacqueline. Je vous l'ai dit, ma vie vous ça, appartient. Bah ouais. Comme vous voudrez, mais mon offre tient toujours. De toute façon, je ne manquerai à personne. Oh, peut-être à Raer. Je ne vais pas m'attarder. Je reprends la route du sud vers un lieu de rassemblement de mercenaires, à Nahantu. Si vous avez besoin d'une bouchère, vous savez où nous trouver. Ou si vous vous décidez à me manger... Non, j'ai plus très faim, là. Oh. D'accord. Se calmer, hein. Lorsqu'il y a au moins 5 adversaires à proximité, vous les étourdissez pendant 4 secondes. Ok. Bon, bah ça, c'est fait. Et du coup, il en reste un, si je dis pas de conneries. Ouais. Oh, vas-y. Tu... Oh, tirez-vous. Tirez-vous. Bon, oui. Du coup, Atkin, c'était dans la zone en bas à droite, il me semble. Non, c'était pas lui. C'était où, lui? À commercial. Ah oui, non, bah c'était à Kourast, donc... Hop. Tac. Pam pa para 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 pa pa. Ah bah tiens, level 30, je pourrais améliorer ma potion, moi. C'est pas faux. Venez-en. Merci, madame. A plus. Ensuite, Michel Forgeron, tant qu'on est là. Il est. Il est à droite. On va prendre toute ma merde. Hein. Prenez bien c'est démente. Ma merde. C'est pas ça. Ah ouais, faut bien prononcer le D, hein, sinon ça a un autre sens. Oui, non, oui. Allez, démonte ma mère ouais, non, fais pas ça. Ah non, non. J'entends votre voix, maître. Est-il enfin temps? Oh, quand vrai. Oh, y en a du bordel ici, salut. Oh, j'avoue. Et tech. Bah voilà. Bravo. Oh Blue, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est quand t'as dit de démonter des mains. La mer. Mais c'est pas moi. Oh. Oh petite élite, hein. On va s'arrêter. Bon, vraiment petit. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le marchement d'approche. Ouais, mais il est loin. Ah oui, non, c'est le truc de monde. Ouais.
J'ai aucune idée ce que c'était. Ah oui, non, les... il est au sud. Ah oui. Aïe aïe. Toi, arrêtez. Même pas regarder sa map tranquille là. Mais les aigles, hein. Chiant. Donc on disait. C'est sans doute l'entrée du tunnel. Bon bah à tout hein. Le passage secret. Ah, c'est-à-dire. Ramasser, jouer en lambeau. Ah, là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Suivez le mystérieux démon. Bon, je vais arrêter d'avoir la notif. Objet reçu, jouer en lambeau. Parce que je l'ai eu 4 fois. Hein, là. D'accord. Bah, mais c'est pour être sûr. À moins que j'ai ramassé 4 jouets, mais. Ouah, mais il y a les joueurs qui clignotent là sur la map, ça va aller, oui. Ah ouais. Ah oui, c'était là. Ah bah c'est le world boss j'imagine. Bah ouais mais il y en a qui clignotent, ils sont même pas dessus. C'est bon. De petites empreintes ensanglantées s'enfoncent plus profondément dans la jungle. Il doit s'agir de celle du mystérieux démon. Il a réussi à tuer cette créature et à s'échapper. Oh, j'ai un peu envie d'aller voir le boss en vrai. En vrai. Bah go. Parce qu'au final, le seul que j'ai fait et vu, enfin vu et fait, c'est celui qu'il y avait eu dans le playtest. Ah, hein. C'est un peu différent ici. Oh, putain de. Oh, oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On se calme. Oh, ça suffit! Oh, il est vrai, les aigles. Ah. Bon, du coup, on disait. Oh! Une porte qui marche. Oui. Y'a trop de gens. Ah. Partez les gens s'il vous plaît. Ça lag. Ouais. D'accord. Oh, tirez-vous. Oh.
Un gobelin. Oh. Je suis fait ce gobelin. Oh, chopez-le. Oh, oh, sa gueule. Oh, trois légendaires. Ah, quand même. Ah oui. Plus des ressources légendaires. Un effroi. Tiens, let's go. Aïe. Ça fait des pop. Bon. Royaume bouillonnant. Ouais. Moi, il risquerait de m'embaucher pour torturer les gens. Chemin bouillonnant. D'accord. Plus qu'un trait pour le truc là, et on pourra aller chercher récompense à l'arbre des murmures. Ouais, ouais, carrément. Pas vu. Qui disent quoi ces gants? Ravage, ravage. Si c'est ravage. Ravage, ça a l'air d'être une compétence. Ah, ouais. Pas équipé. Blagueux! Mais, non, arrête. Mais froid. Arrête. Mange. C'est bon, premier que je vois. Franchissez le portail pour décider du chemin emprunté. Votre choix détermine les récompenses et le type d'opale bouillonnante obtenue à la fin. D'accord. Historium, équipement, matériaux. Je sais pas moi. Or, équipement, matériaux. Un truc qui t'intéresse hein? Oh bah, goût équipement. Eh bah, allez. Let's go, c'est parti. Violence, ouais. Aïe, aïe. Ah, mais je prends le plafond sur la gueule. Et Bob sache plus quoi faire, il nous envoie le plafond. Oh non. Niveau supérieur auprès du Zakharum, quoi? Ah oui. C'est vrai que t'as ce truc là. C'est aussi des niveaux à monter pour des récompenses. Ah, gobelin! Où ça? Allez, go, t'inquiète, gobelin! Reviens, il y a deux. Ah, oh. Battez-le! Reviens! Mais, salope, oui! Mais.
Oh ma vie. Il est mort? Ouais c'est bon. Il y a eu zéro légendaire. Il y a eu rien du tout. Petit bâtard. Et c'était quoi le TP en plein milieu là? Rupture bouillonnante là? C'est... En fait, c'est comme si c'était une cave dans l'open world. Mmh. C'est un petit donjon dans lequel tu rentres et voilà, ça te fait. D'accord, ok. Ça va très vite à faire. Une excroissance de la haine. Et donc ? Ah. Oui. Mmh. J'ai pas compris. Aïe. Il tape bien le scolopan. Bah en vrai tout tape bien j'ai l'impression. S'accorde à dire que cette classe est complètement pétée par rapport aux autres. Ouais, ça a bien l'air. Je veux dire, un jeu en ligne avec une sortie de classe relativement normale. Oui. Elle est complètement fumée et puis vous la nerfez plus tard et puis voilà. Oui, voilà, oui. Oui, mais c'est parce que je viens de remplacer les quoi. Compétence de base, augmenter des dégâts. Ah, ouais. Oui, comment allez-vous? Ouais non, je peux pas trop m'en séparer de ça. Ah bah level 30. Level 30 ça veut dire choisissez un nouvel esprit, enfin un esprit secondaire. Oui. C'est vrai que l'esprit secondaire du Mailpat il est bien fumé. J'arrive. Hein. Ouais. Alors on disait. Bon, pas ça, ça. Alors. Jaguar, augmente la férocité de 1. Le maximum de férocité est augmenté de 1. Vous obtenez 1 point de férocité lorsque vous terrassez une cible et vous infligez des dégâts à un boss. Aigle, chaque fois que vous parcourez 4 mètres, vos chances d'infliger un coup critique augmentent de 4%, soit une série initialisée 2 secondes après un coup critique. Gorille, maximum de décision est augmenté de 2, lorsque vous avez au moins 5 cumuls de décision, vous êtes inarrêtable. Et Mailpat, vous récupérez 1% de votre maximum de PV chaque seconde pour chaque cible proche que vous avez empoisonnée au cours des 3 dernières rondes. Pardon. Oui voilà, ça faut que j'aille chercher. Okay. Donne. Tech. Encore plus pété du coup. Ah bah ouais, petite régène passive en fonction de l'empoisonnement. Oh, pas sans plaindre. Oh, okay. Reviens ici. Reviens, mais. Ah, saloperie. Arrêtez-le. Ah bah. Légendaire. Moi je vais me faire foutre. Hein. Par contre j'avoue que tout à l'heure le triple légendaire sur le gobelin... bon. Ouais, moi un seul. Ouais, mais je crois que c'est ma soirée, mais faut rien de me demander. Hein, je...
c'était un piège, nous ne l'avons pas vu. Ah mon dieu. Aïe. Ouais. Légendaire. Ouais, ouais, bah là, moi aussi, ça m'aurait fait mal. Hein. Y a plus de place. Y a plus de place. Virer des bleus. Perso, je joue avec l'aigle ou le jaguar. Mais en vrai, je suis tenté. Mon build principal, c'est très axé sur l'aigle. Ouais. C'est fumer sa mère. On dirait que vous savez vous battre. Mais ouais, en vrai, je suis très tenté. Quand on sur lance en mode hardcore, tout ça, de rejouer la même classe, mais avec un. Ouais, un animal différent. Ouais. Ah. Ça t'a dire. De bons matériaux, ma foi. J'ai des problèmes dans la jungle. Ah, très bien. Laissez-moi me TP. Barrez-vous. Non mais. Alors c'est quoi ce machin là? Opal machin, je sais pas quoi là. Ah, les opales bouillonnantes, c'est des élixirs. Ah oui, là. Les cibles adverses lassent régulièrement tomber de l'équipement supplémentaire. Les cibles tuent et rapportent de la réputation auprès du reste de Zakharum. Expérience augmentée. Ouais. Ok. Pourquoi pas. J'ai une potion. Merci. Cette classe, 100%, elle tient le hardcore. Bah, en vrai, je pense qu'il y a à peu près toutes les classes qui peuvent se démerder, mais là, là ça me paraît fumé. Hein. Là, pour l'instant, celle-là, elle est très fumée. Comment ça en chasse, reviens ce bordel, là. Viens, saleté. À pic. Voyons qui parviendra à chasser le plus de gibier. On se départagera au poids. Si vous gagnez, vous choisissez le menu. Mmh. Plus de bêtes que Varianna. Bon. Ouais. D'accord. Ouais, il y a un petit aléa sur le côté. Je suis. Tiens. Oh, va falloir y aller, Hurricane. Hein. Va falloir se réveiller. Bah, j'avoue que. Il était à moi celui-là. Ah non, je l'ai vu le premier. Ah, je l'ai vu dégouliner de trucs verts, c'est à moi, hein. Pardon, mais. On te file de la salade, tu vas être content et je pense. Je pense que ça fait la gueule pendant une semaine. Hein. Ouais, enfin, minimum. On est voir Damon le croisé. Ah, vous m'emmerdez. Oh putain, yo. Hein. Un hasard bon cuc. Tel bord. Ouais hein. Le bosque est sombre. Ah.
On a peur. Regarde. C'est pas ce que je veux. Non, descendre petit chat. Voilà. Oh, les pantoufles de la cabale. C'est pas parce que t'es fanatique que tu peux pas avoir tes petites pantoufles quand tu rentres chez toi. Ah bah, écoute. Oh là, calme-toi le jeu. Un dessin d'enfant représentant deux personnes se tenant la main, la plus grande des deux a été raturée. Sijin, Shosa. Mère, épouse, amie. L'inscription a été grossièrement gravée dans le bois. Ici repose ta. Témoignage direct et détaillé d'une rencontre avec les Karza, les Khazra et de l'exploration clandestine de leur citadelle sombre. Oh, mais la musique! Coincé! Je peux pas passer sous la branche! Coincé! Let me in! Ah, le mec qui est tellement musclé mais qui n'arrive plus à se pencher, tu vois. Il y a trop de muscles. Ah, c'est j'ai mal au dos. Ah, c'est pour ça. Contrebande. Oh, mais ça va, je vais voir ton Zincarou, comment ça va m'emmerder, hein. Arrête de mettre des... Hein ? Ouais. Ouais, arrête. Hein, arrête, hein. Sac rempli d'artefacts pillés dans la citadelle sombre, ce fatra semble répondre à aucune logique. Ne touche pas à ça. Quelqu'un a jeté tout ce qui semblait comestible dans une marmite, le goût est probablement pire que l'odeur. Non, vous ne pouvez pas en avoir. Tant pis pour vous. Ah, bah ça va, laisse-moi fouiller. Tout explose. Mon fils, ne culpabilise pas. Je sais que tu ne peux contrôler tes pouvoirs. Ne doute jamais de mon affection éternelle. Mon seul regret... et de t'avoir enseigné la honte et la peur. Je n'aurais jamais dû te cacher aux yeux du monde, qui devrait admirer la beauté et la bravoure de ton âme. Je t'en prie, ne reproduis pas mes erreurs. Avec tout mon amour, papa. Partez ! Sortez ! Avant que vous ne finissiez en pièces. Qu'avez-vous fait au garçon? Il est mort. Je l'ai démembré. Vous avez trouvé ça où? Vous êtes un enfant. Est-ce que c'est à vous? C'était un cadeau de père. S'il vous plaît. Et où est-il? Je ne peux pas laisser un enfant seul. Venez. Suivez-moi. Vous avez bien vu. Dès que j'ai peur, les monstres surgissent.
Je connais un endroit où vous n'aurez plus à avoir peur. Il existe des personnes bienveillantes, mais il faut leur laisser l'occasion de vous le montrer. Et vous ? Vous serez là aussi ? Bien entendu. Où dois-je aller ? Je connais un homme respectable du nom de Raer. Il dirige un groupe de mercenaires. La main blême. Allez le voir. Il vous trouvera une place. Très bien. Je vous retrouve là-bas. Et bah nickel. Au revoir. A plus, Billy. Et retourner au repère. Oh, je suis curieux. Si je sors là. Ouais, hein, et je suis coincé. Hein. Je suis coincé. Au secours. Ah, allez, mais c'est coincé. Mais à quel moment? Mais pourquoi ils enlèvent les... Non, je peux plus. Ah. À quel moment? Bon, déjà, que tu puisses pas rentrer dans un donjon, que t'as déjà fait t'as un truc scénario, okay. Éventuellement, ouais, je peux comprendre. Ouais, bon. On va dire ça. C'est chiant, mais éventuellement je peux comprendre. Mais que tu ne puisses plus utiliser le machin pour te blesser. Qu'ils enlèvent le truc là, c'est complètement con. Ah, c'est débile. Allez, je. Salut. Ouais, bah. C'est bon. Au repère, hein, du coup. C'est bon. Ah tiens, du coup, oui, j'avais posé une question la fois passée, hier. Hier, du coup. Pas l'habitude de faire plusieurs fois le même jour d'affilée. Oui, bah oui. Le même jour. Enfin, toujours le même. Merde. Le même lundi tous les jeux. Ouais, le même lundi tous les jours, ouais. je disais, avant, c'était genre le niveau 50, le max. Oui. En fait, c'était... Non, c'était le niveau 100. Et le niveau 50, tu commençais le parangon. Et maintenant, ils ont tout foutu au niveau 60. D'accord. Ce qui, en soi, est pas plus mal. Oui, oui. Que j'avoue, Ouais. Devoir atteindre un niveau 100 qui, finalement, impliquait pas grand-chose... Bah, clairement, oui. Faut que tu t'occupes de Billy. Je m'appelle Alkin. Billy. Et je peux me débrouiller tout seul. Bien entendu. Mais vous n'avez plus à le faire seul, désormais. Chaque membre de la main blême veille sur les autres et s'implique dans la guilde. En êtes-vous capable? D'accord. Bien. Maintenant, allez trouver votre place. Je ferai en sorte qu'Atkin trouve sa voie ici. Très bien. Ah oui, donc niveau supérieur auprès du reste du Zakharum. C'est quoi cette connerie là? Oh bah, on peut y aller. Bah ouais, carrément. C'est où? C'est une ville Zarbiza. Loin, perpète, c'est... ouais. Ouais, c'était 100 et parangon à 50 avant. Ouais, du coup, ok, ouais. Peut-être pour ça que j'avais tous mes persos à 50 du coup. Le seigneur de la haine a déjà manipulé notre ordre par le passé. Nous ne pouvons laisser son influence s'enraciner ici à nouveau. Isbas. Un icor noir, aussi épais que de la boue, suinte de la terre et souille tout ce qu'il touche. D'imposants démons suivent son sillage, transportant des portails vers les royaumes infernaux. Ce n'est pas le chaos exubérant de la triade. C'est bien plus intime. Il s'agit de la haine qui boue dans les veines de la terre. La vile corruption de Mephisto est de retour. Très le Zakharum compte peu de membres, mais nous combattrons ce mal insidieux jusqu'au bout. Nous aiderez-vous?
Montrez-moi ma réputation de Zakharoum. Et c'est quoi du coup? Une arme anormale. Il met une contient une arme et disait c'est quoi? Tuer pour voir un royaume bouillonnant. Pour avoir des opales bouillonnantes. Ouais. Obtenir des faveurs en affrontant des marchemondes, en tuant des monstres dans le royaume bouillonnant. Ou n'importe où, avec un effet d'opale bouillonnante. D'accord. Je crois que les opales... Ouais, c'est ça. T'as à chaque fois un bonus de réputation du Zakharoum quand on a une d'active. Ouais, ouais. Ok, bon. Tac, 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 et tac. Ok. Je sens que ça va déjà finir en... Attends, je vais vider mon sac parce que... Je vais avoir des problèmes. Y a un forgeron ici, oui. Ah, Michel, pète-moi le tout. Merci bien. Alors c'est pas ce que je voulais dire, mais Ah, Michel, pète-moi l'inventaire là. tac. Éliminer un marche-monde, mais on l'a déjà fait ça. Tu veux dire que j'ai récupéré une quête, mais après avoir fait le truc de... qu'on a fait je... précisément. Putain, je suis pas énervé. Non, allez, hein, je me casse à Kouras, moi. Hein, et oh merde, là, tac. C'est quoi là? Apparemment j'ai eu un skin. Qu'est-ce que c'est ça? Objet. Ah, arme. C'est, t'es où Michel? T'es là. Ah putain, ça se met dans un sac à part. Waouh! Ah ouais, non mais quoi? Je suis étonné. De quoi ça se met dans un sac à part? Les pierres certissables. Oui. Oui, 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 c'est... oui. Déjà maintenant, tous les fragments de gemmes, ça part dans la collection de matériaux. Oui. Ça c'est très bien. Ouais, ouais. Et ensuite, oui, t'as un inventaire spécial pour les gemmes, hein. Ah, j'avoue que ça c'est cool. Non mais c'est bien, t'as un inventaire pour les objets rares, les consommables, les certissables, les équipements, c'est... Ouais, c'est bien. Non, ah, c'est vraiment cool là ce qu'ils ont fait pour le coup. Clé de donjon, certissable, équipement, ouais, conso. Armure. Fous dans une, voilà. Qu'est-ce que je foutais sur l'arme encore? C'était pas ça? Oui, c'est ça. Mais là, ça n'est d'aucune utilité. Arme. Ouais. Ah, ça, ok. Okay. Il n'y avait pas une histoire de coffre commun entre tes persos ou un truc comme ça? Ah mais si, ouais, mais, si, mais, si. Mais si, mais vu que c'est mon seul perso de saison,
Oui. Oui, c'est, oui. C'est le problème. Akarat a demandé que l'on trouve Abulan. Et c'est ce que je compte faire. Oh, Eru parle à l'illustre Akarat ? Comme c'est surprenant. Je ne plaisante pas, Ormus. Ormus l'increvable. Putain, oui, j'avoue. Le mec, il est là depuis Diablo 2. Hein, je dois trouver Abulan. S'il peut aider Nerel à sa manière, je dois tenter ma chance. Et qui êtes-vous, étrangère, pour invoquer le nom d'Abulan ? Mon ami. Je m'en porte garant, sans hésiter. Eru. Abulan sera difficile à trouver. Il possède une fresque dans les bas-fonds. Mais elle est en langue ancienne. Il vous faudra une interprète. Je ferai l'interprète. Si Eru pense qu'il faut trouver Abulan, alors soit. Interprète. Merci, oui, Eru. Retrouvez-moi à l'entrée. Ah, oh, je veux la babe, je... Vous êtes bien pâle. Qu'est-ce qui ne va pas ? Merci de vous porter garant, mais... Ah, blabla. Mais quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Il faut que je vous dise quelque chose. J'ai un jour été nourrie du sang d'une démone, Lilith. Cela m'a liée à elle. Je l'ai tuée, mais... elle fait toujours partie de moi. Je le sais. Vous vous êtes porté garant pour moi auprès du Conseil. Vous m'avez appelé ami. Le pensez-vous encore, malgré mon aveu ? Il y a longtemps, lorsque j'étais enfant, un esprit est venu dans notre ville. Où que celui-ci allait, la mort frappait. Alors, un sacré esprit nommé Tassa s'adressa à l'esprit. Pourquoi semez-vous la mort dans ma ville ? L'esprit lui dit la vérité. Je me sens seul. Je veux simplement de la compagnie. J'ai déjà entendu cette histoire. Suivez-moi. Tassa prit la main de l'esprit. Tous deux quittèrent alors la ville ensemble, liés à jamais. L'esprit ne fut plus jamais seul et ne fit plus aucun mal. La ville fut sauvée. Quant à Tassa, il fut lié à la mort et ne put jamais plus retourner chez lui. Pourquoi vous me racontez ça ? Vous avez sauvé votre terre. Cette Lilith est morte. Elle n'est plus qu'un écho dans votre sang. Ce que vous ressentez, c'est la peine de quelqu'un forcé de vivre avec elle. Ne laissez pas cette peine vous écraser. Et surtout, ne craignez pas mon jugement. Gardez dans votre cœur le souvenir des gens. Car c'est tout ce qu'il vous reste. Merci. Il lit pas son texte. Ne vous y habituez pas trop. Allez, vous avez une fresque à trouver. Les bas-fonds sont par là. Allez trouver la fresque d'Abulan. Maka et moi, nous vous rejoindrons sous peu. Un cul-duc. Ça va rester ça. Hein. Ah oui, oh ça c'est fini. Hein. Plus de retour en arrière possible. Ah oui. Faut que je fasse le 2 à l'occasion d'ailleurs. Oui. Parce que toujours pas fait. Sûr qu'il est tout aussi incroyable. Ah bah ça j'en doute clairement pas.
Putain, mais j'adore quand je tue un mob qui est empoisonné, ça répand le poison autour de lui. Oui. C'est trop bien! Plus de poison! Sachant que plus il y a de poison autour, plus je me régène. Bon bah. Pas penser à regarder les autres. Ah! Les autres mercenaires pour les renforts. Ah putain, oui, c'est vrai. Ah, soyez tous empoisonnés. On arrive à empoisonner des morts vivants quand même. Je... Barrez-vous les mouches. Ah, j'ai pas que des bons souvenirs hein, des souterrains de l'acte 3 de Diablo 2, hein, c'était chiant. Hein. Est-ce que je vous ai déjà dit que c'était l'acte que j'aimais le moins? Mais cette violence. Juste on avance. On ouais. À aucun moment on est ralenti. Clairement. Oui, traversée de Michel là. Ouais. Il y a un truc qui est passé. Arrête d'aller taper des poteaux là, t'es con hein. Mais... Ah, il y a une baie qui est passée hein. Non, pas le glaçon. Ah, que... ah bah, on a froid. J'allais dire, putain, c'est un moment qu'on a pas vu d'élite. Oui, bah. T'as vu une élite, toi? Ça faisait un peu chier. Non. Voilà, vitesse d'attaque. Oh, hey, ou, un, i, ou, un, i, ou, un. Fait longtemps que j'ai pas sorti mon scolopan dans... Ouf. Alors c'est vrai que c'est peu bizarre dit comme ça. Ouais, non, oh. Si peu. Mais c'est à peu vrai. Aïe. C'est quoi déjà qu'on fout là parce que... Ah oui, non, c'est vrai. Trouver la fresque, tout ça, tout ça. Oui. Ah bah. Je pense qu'on arrive.
Vas-y. Arrête. L'arnaque. Le bob, j'étais en train de taper dessus et il a reset. D'accord. Pas du tout l'impression de... Attends. De m'être fait niquer. Ah oui. Brutalité. Elle est en meilleur état que ce ouais. Que bah, légendaire du coup. Voyons ce qu'elle dit. Ouais. Savez-vous où trouver Avulan? À cette époque de l'année, Avulan doit se reposer dans le champ des géants. Je n'y suis pas allé depuis des années. Pas depuis tes épreuves, j'imagine. C'était il y a quoi? 100 ans? Maka, le champ des géants n'est pas loin. Parlez à Hormuz de nos découvertes. On se retrouvera en chemin. Oh, j'aime bien. Bonne. Alors, ça dit quoi? Oui, c'est pour l'instant. Blon est dans le champ des géants, nous allons le chercher. Espérons que vous le trouverez. Personne n'a vu Avulan depuis bien longtemps. Nous ignorons ce que vous trouverez dans la jungle. Alors le conseil a décidé de vous accorder une aide supplémentaire. Mmh. Ces pierres sont d'anciennes reliques remontant à l'époque des premiers druides. Les runes qui y sont gravées vous protégeront des maux de ce monde. Prenez-les et faites-en bon usage. Voilà. Vous pouvez sortir des runes sur les pièces d'équipement avec deux chasses afin de vous octroyer de puissantes compétences. Pour activer un mot runique. Ah, les mots runiques. Combiner une rune rituelle à une rune d'invocation, vous pouvez vous équiper un maximum de deux combinaisons à la fois. Avant, à l'époque, c'était qu'un seul. Les mots runiques, c'est arrivé avec Diablo 2. Et t'avais des mots runiques, c'était jusqu'à, je crois que c'était 4 ou 5 runes en même temps. Ah oui. Ah oui, c'était des trucs énervés par contre. Hein. Gagner des offrandes dans les avec des runes de rituel pour activer les runes d'invocation, déchaîner leur pouvoir sur vos adversaires. Vous pouvez accepter aux runes... Ok. Ça sur l'arme. Pour l'instant, l'arme en termes de gemmes, j'avoue qu'on se fait un peu chier. t'es là, toi. Qu'est-ce que un esprit curieux.
Bienvenue. Oh non, j'allais vers le joaillier et d'un coup, tu vois le sur FF14 les crapauds qui te pèquent un coup de langue et qui te font repartir en arrière. Oui. Bah j'ai eu presque la même. D'accord. La prochaine fois, proposez-moi un défi, d'accord? Un petit rune pour fabriquer des runes à la joaillerie. Ah, vous pouvez combiner les runes pour créer des runes de niveau supérieur ou les utiliser pour fabriquer des pièces d'équipement uniques. J'ai un bouton, voilà, pendant 5 secondes. Non, on va rester là-dessus. Hein. Voilà. Tout simplement indémodable. Alors. Vous un point de votre ressource principale. Ouais. Tenez, 2,5 de chance d'infliger un critique. Invoquer un esprit de loup qui attaque les adversaires pendant 8 secondes. Donc en gros, de ce que j'en comprends, avec les runes jaunes, tu vas utiliser une compétence qui vont te donner des points. Que tu dépenses avec les runes violettes. C'est ça, la jaune, c'est la condition d'activation donc qui te donne les points d'offrande. Mmh. Et le violet, c'est ce qui va dépenser les points d'offrande pour te donner un bonus. Ok. Bah écoutez, on va tenter. S'intale les sauterelles de la transcendance. Ok. Et bah très bien. Ça par contre j'aime beaucoup le fait qu'ils aient remis les... Oui. Les mots runiques. Ouais, il y a des chances que je fasse la même. Bon, au moins ce sera fait. Allez, crée donc quelque chose avec ça. Carat ici au sud. Ah. Ah oui, j'ai vu du qui brille. Ah. Y'a le truc avec les ordres de sang qui explosent. corruption, ouais. C'est il faut reproduire le schéma d'en bas. J'imagine, ouais. Ouais. Donne.
Mais barrez-vous. Comme là. Oh, go. Deux. Oui, moi aussi. C'est moi. Mais... Bon, c'est bon, se calmer. Hein. Donjon go. Reviens. Qu'est-ce quoi. Non mais. Annulant. Ah bah c'est pas. C'est pas l'arme justement qui fait ça, genre dégâts qui accable, et si c'est pas le cas, t'as une chance d'accabler et de faire oui. Des orbes de sang ou un truc comme ça. Oui. Ah, le pognon! Aïe, t'as pique. Ah, tout ce pognon! Ah bon? Comment ça? Ah, avec le. Ah oui, cupidité. Oui. Pourquoi j'ai entendu un. Non, au secours! Pire. Ah, mon argent. Je suis pas encore habitué à Potichien qui ramasse le pognon. Ah oui. J'ai encore le réflexe de l'argent, j'y vais. Oui, bah oui, c'est bon. Tiens, mange. Mais ne partez pas sans moi. Ça grogote fort hein. Ouais, il me semblait bien. Oh. Oh le déglingue, rien à foutre. Ah ouais, il bouffe. Salut. Ça c'est fait. Voilà. Ça va les légendaires. Ah oui. 4 du coup j'ai cru compter. Moi c'était 3 dont 1 unique. Ah oui non 3 plus 3 plus 1 unique. Il a filé sa hache, ouais. On déclenche montée. Oh. Donne. Et du coup, je vais virer ça, changer les compétences.
et mettre ça. Il est en train de bouger. Attends. Non, c'est bon, il fait. Non, c'est bon. À de suite. Bon, bah, le mot runique, des bisous du coup. Est-ce que vous rentrez ? Ah. On est adversaire vulnérable. Oh, oui. Si vous lancez l'évasion. Oh, en vrai. Ouais, pour l'instant, regardez ça. Là on voit le DPS des classes. Ah bah j'avoue que le boucher là il s'est fait fumer hein. On a même pas sourcillé. Ah clairement. J'ai quand même claqué une potion parce que voilà en termes de, au cas où mais. Oui je crois aussi ouais mais. Mais même pas j'ai paniqué hein. Ah ouais non ça non. Serein. Ah clairement. J'ai rien vu moi je. J'ai presque pas hâte qu'il le nerf hein, parce que en vrai c'est fun. Ben j'avoue. Après, bon. Ça va, les classes restent parfaitement jouables même une fois nerf. Oui. Heureusement. Mais c'est juste que celle-là elle est largement au-dessus du lot en ce moment. Ah bah clairement ouais là. Bah après ça fait quand même un petit moment que l'extension est sortie. Ça fait un mois. Ouais un mois. Un petit mois. J'aurais dit comme ça. Puis s'ils avaient dû la nerf, ça serait déjà fait. Ouais je crois. Mais. Oh et arrêtez hein. Oh j'avoue ça va les packs là. Ah n'y a peur. Et j'en ai. Ah j'en ai le jeu. Ah n'y a peur encore. Aïe. Oh putain. Va y crever. Même con hein, de fumer le boucher et se faire fumer derrière par un petit truc à la con. Hein. Tiens vous. Un écongelé. La zone est grande.
chagrin, ange. Et puis surtout, on a oublié l'objectif de la zone en haut. Je crois, je sais pas. Attends, c'est quel? Ah oui, mais il faut qu'on bute un mec pour pouvoir rentrer, non? Ah oui, non, c'est peut-être ça. Je sais qu'il y avait encore des zones explorables en haut. Bah. On va bien voir. Oh, le Delbo. C'est bon, ah, il est. Ah, pu. Tout rangé. J'ai pas du tout eu peur de mon propre truc. Là-bas. Ouais. Quoi, c'est une amulette ça? Très bien, c'est pas pour moi. Ouais, pardon, je posais des items à la con pour pouvoir looter. Je manque un peu de vitesse de déplacement sur mes boîtes. Hein. Ouais, bah j'avais une bonne vitesse avant et plus maintenant. Bon, Ah, bah je reviens. Du coup, je disais. Ah, oui. Mais pardon, tu étais allé dire? J'arrive. Alors on demande pas un psy, on demande un ami, t'inquiète. Je disais, ça c'est pas pour moi. C'est récupéré. Ce que j'ai dit. Un truc. C'est un cadeau. J'ai plus de place. Donc. Ah oui, d'accord, ok. Je vais pas en faire grand chose, mais c'est pas grave. Ibi. D'accord. Pourquoi je peux pas accepter l'échange? Oui, ah. Il veut pas. Je... Peut-être parce que j'ai plus de place, mais Ouais, peut-être, ouais. Prenez bien soin de vous. Vas-y, pour. Ouais. Mais mieux. Merci. Ah, tiens, oui. De rien. Je peux monter sur la durée à chaque fois.
16 pour 100, vous pouvez avoir une fiche, le double de dégâts. Oui. Ah, plus 40% de dégâts contre les cibles ralenties. Très bien ça. Restez près des arbres et faites attention. Ah oui, mais non, ça c'est. Il n'y a qu'un emplacement. Tac. Retournez looter du coup. De recharge de votre renfort est réduit de 27% après avoir utilisé votre compétence ultime, vous appelez votre mercenaire en renfort. Oh! Ok. Voilà. Bon bah. Chiant. Oh Michel, t'es censé être mort là. Saloperie. C'est bon. On va faire ça. Du coup, ça disait quoi? World Boss? J'aimerais bien aller me changer. J'ai pas vu où. Non. Ah oui, c'est le marche-monde. Non. Ah, parce que c'est Glenn. Ce fameux moment dans Diablo 4 où tu passes de groupe de monstres en groupe de monstres. Moi j'ai vu des élites, je suis parti t'aspect. Hein. Ah non mais j'avoue. Oh.
Tech. Ah! Oh, l'attaque ninja! Je dois continuer à chercher. D'accord. J'ai qui te dit arrête-toi en ville. On sait jamais. C'est ça. C'est encore un truc de carotte. Je sais pas parce que ces trucs, t'en as tous les 10 mètres, mais tu les vois jamais. Ouais. Hey, c'est vous. Quoi? Ah, ok. Autant ce Lilith, bah du coup vu qu'il y avait une petite lumière rouge, tu pouvais apercevoir si tu fais, même si tu faisais pas trop attention. Attends, lui, putain, faut aller voir. Ah oui, oui. Oh. Non, j'allais ressortir. Ah bah tiens. Salut. Ça, c'est fait. M'emmerde, hein. Ah, c'est retour de vodou, quoi. J'ai toujours aussi hâte. Regarde, t'as dit quoi, là? J'ai les mains qui tremblent. Espérons qu'Aboulan soit du même avis en te revoyant. Que dois-je faire? Vous recevrez un don rare, mon ami. Un aperçu d'un royaume dont peu connaissent l'existence et que moins encore ont pu voir. Sa beauté marquera votre âme à jamais. On dirait que vous l'avez lancé. Je n'étais qu'un enfant quand j'ai vu le voile pour la première fois et vu l'un des anciens esprits. J'ai su que je passerais ma vie à veiller sur ce lieu. Ah, tu n'as donc jamais été ordinaire? Je pensais que tout avait commencé avec mon entraînement. Je ne dis pas que je n'avais pas peur. Les esprits sont étranges, grotesques, mais si beaux et si fragiles à la fois. Ne cachez pas votre peur, mais ne vous dérobez pas non plus. Aboulan pourra alors entendre votre supplique. Nous allons ouvrir un passage vers le royaume des esprits, afin que vous puissiez l'appeler. Uh-huh.
Tu vois, c'est censé faire ça, votre truc. Aboulan ? Aboulan ! Quelque chose ne va pas. Oh non. C'était quoi ça ? Les aliénés ont pénétré dans le royaume des esprits. Nous devons entrer. Toi et moi, peut-être. Mais elle, son esprit exploserait de douleur. Je peux faire face à la douleur. Si ça peut aider Nerel, je prendrai le risque. Nerel a empoisonné la seule chose à même de la sauver. À cause d'elle, Tunahantu est menacée. Nous allons devoir trouver un point d'entrée. Il y a plusieurs années, il avait des adeptes. Peut-être auront-ils laissé des indications. Je vais aller voir leurs anciens quartiers. J'aimerais essayer d'arranger les choses. Moi aussi. J'aurais dû garder mon calme. Mais cette douleur... Je sais qu'elle a été guidée ici. Mais je maudis le jour où elle est venue apporter cette pierre à Nahantu. Quelqu'un éteint la lumière. Ça fait tout nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Je m'en charge. Maille noire. Ça faisait longtemps. Forteresse de la haine. C'est le QG de Twitter. Oui. Pourquoi est-ce moi qui ai dû choisir? Ai-je seulement fait le bon choix? De quoi parlez-vous? Elle ne peut vous entendre, voyageuse. Vous pensez la connaître. Mais c'est moi qui suis dans sa tête. Il mit le poids de ce monde sur les épaules. Les fardeaux des autres. La santé de ma mère. La douleur de Donan. L'échec de Lorat. Et pour finir... Un choix qu'ils auraient dû. Sortez de sa tête, démon. Cela m'est tout aussi impossible que pour ma fille de s'extraire de votre sang. Nous ne faisons qu'un. Où est-ce que je finis? Où commencez-vous? Non! Non! Pas encore! Puis bon, la dernière fois qu'on a vu une fille se faire posséder par des démons primordiaux, c'est pas très très bien fini pour elle, quoi, donc... Oui. C'est mon ami la plus proche. Elle a tué ma mère. Non, c'est Lilith qui a tué ma mère, à cause de moi. J'ai pas été assez maligne, assez rapide. C'est de ma faute si elle est morte. Vous ne monterez pas contre elle. Vous m'avez mal compris. Je vous propose un moyen de l'aider. Elle peut encore éviter la mort. Si elle me libère de la pierre, elle survivra. La prophétie dit vrai. Mes frères sont en chemin. Et lorsqu'ils seront là, ils ne marchanderont pas avec vous, étrangère. Vous ne pourrez les vaincre seuls. Notre alliance a fait trembler les enfers. Je crois qu'il y a encore quelque chose à en tirer.
Nerel reviendra à parler lui et proposer lui cette solution. Elle m'a choisi une fois. Peut-être le fera-t-elle à nouveau. Ouais, bon, libérer, Michel, on t'a demandé. Libérer le seigneur de l'âne, ça fait chier quand même. Ouais, un peu, ouais. Pour vous jouer un mauvais tour. Ah, Mephisto Michel est de nouveau. Dit vous êtes de retour. Ah bon, il a rien dit. Très bien. Il m'a juste regardé, il a fait. ouais, Mephisto. Ouais. Combien de fois vous a-t-il proposé de discuter? Combien de fois avez-vous accepté? Plus que de raison. Il pense que si nous sommes seuls, il pourra me manipuler. Mais je n'écouterai pas le loup. Cette bête est donc véritablement Mephisto. Ouais. Un simple aspect de ce que je vois. Son essence est contenue dans la pierre. Malgré tout, il gagne en puissance. Ce loup a forci depuis notre dernière rencontre. Et qu'a-t-il dit exactement, cette fois? Finalement, attendez un peu. J'aimerais être assis pour entendre la réponse. Vous me promettez d'en reparler plus tard. Total level up. Venez. Maka nous attend. Ouais, tous les deux, ouais. Ah oui, j'avais pas vu pour moi. C'est juste que j'ai eu l'onde de choc en plein milieu du dialogue. Il fallait que je change ça. Et du coup, sur cette extension, ça va jusqu'à combien de chapitres? Je crois que c'est le seul, mais il dure tout au long de l'extension. Ok, d'accord. Adieu! Un rideau dans le cul! Tu es sûr que c'est elle que réclame Akarat? Oh, barrez-vous! Il n'y a pas quoi d'occuper. Que cherche-t-on? D'autres sanctuaires, d'autres rituels. Tout ce qui pourrait être lié à Abulan. Restez sur vos gardes. Les Lakoni se terrent dans cet endroit. Les Lakoni? Un grappin de con.
Yay. Oh bah, petit légendaire. Bon, non mais... Ça suffit. J'ai trébuché sur un légendaire, pardon. Alors, malgré les années, la peinture contraste encore vivement sur le rocher. Elle illustre Aboulon protégeant les humains contre des entités surnaturelles. Yu, qui sait ? C'est moi qui dis ça ! Le repriseur des voiles. Ici, il ressemble à un gardien. Peut-être qu'il protège les gens des esprits égarés. À l'image de la mosaïque sous Kouraste. C'est d'une violence. Non. Un autre là-bas. Sur cette peinture, Aboulon bénit un groupe d'humains. Il semblerait qu'il leur confère une fraction de sa propre puissance. Il donne du pouvoir aux autres. Peut-être qu'il pourra aider Nerel de cette manière. Regardez, en arrière-plan. C'est peut-être le portail. Je reconnais ces colonnes. Elles ne sont pas loin d'ici. Ben voyons voir. Adieu. Ouais, ça si. Ce rituel est-il comme le dernier ? Non. Vous n'avez pas reçu cet enseignement. Être en paix avec la douleur nécessite la maîtrise des aînés. Prête, Maka. Oui.
Et bah faites ce qu'il faut. Qui c'est? Un plein tapis. Ne luttez pas contre la douleur. C'est perdu d'avance. On est marre de me faire transpercer. Ah oui, oui. Je suis plus étanche. Non, un peu plus à gauche, s'il vous plaît, là. Oh oui, là, je bouffe. Ah, ah oui, parfait. Là, c'est bien, là. J'avais une petite hernie là, maintenant ça va mieux. J'ai l'impression de me déchirer en deux. C'est le rituel qui maintient votre intégrité. Le royaume des esprits change et se réagence sans cesse. Ce serait aussi votre cas, sans cesse. Ah, ils m'ont pété en deux, ces cons. C'est la beauté de cet endroit. Bah, beauté, beauté. De l'énergie brute infusée de vie. Chaque pierre. Chaque goutte d'eau n'est pas plus inerte que vous. Le changement, l'évolution, est la seule loi en vigueur ici. C'est dérangeant, ça vous coupe le souffle, cette étrangeté primale. Et pour des esprits comme ce beau jeune homme, c'est la chose la plus naturelle de l'univers. Ce beau jeune homme. Pour votre gouverne, le Pougy, je ressens la même douleur. Accueillez-la pour devenir une meilleure sacrée. C'est un Pumba, Michel, qu'est-ce que tu m'as raconté ? Que la douleur devienne un ancrage à votre corps. Allons-y. Toute menace contre Aboulane menace l'ensemble de ce royaume. D'accord. Vous sentez ça ? L'air est vicié. Je trouve bien sympa l'effet de cette zone. Oui. L'acupuncture par ici c'est violent. Ah bah ça déconne zéro. Ah, par contre après t'as plus mal. Hein. Ne faites pas de mal aux esprits. Bah c'est... La corruption nous les a déjà pris, c'est eux qui ont commencé, du coup j'ai le droit. Attends mais pas voir qu'on se laisse faire non plus, et où ? Laisser faire ni à calcul non plus. Enfin, bon, crème plus que ça. Déjà que l'autre là il m'a remis le dos en place, en plus il va passer à se calmer. Hein. Il nous pisse dessus.
ça, ça rejoint, j'imagine. Oui. C'est non. Bon bah, nickel. Tellement démonté, c'est abusé. Enfin, tu me diras, c'est drôle, hein, donc bon. Ah oui, très clairement. Par ici, je passe devant. Je vois. Pea Sachinbi Waka. Tout est. Il a l'air d'aller bien. Faites preuve de prudence. Qu'est-ce qui te fait souffrir, grand esprit Abulan ? Ok. Abulan ! M'as-tu oublié ? Nous arrivons trop tard. Ah ! Mais reviens! Mais... Putain, j'arrive pas à le cibler. Ah, ça pique! Oh mais Michel, tu nous emmerdes hein. Aïe. Aïe. T'as un mob qui met plus de 2 secondes à mourir. Incroyable. Mais... Saleté. Chez, voilà. Meurs tout seul dans ton coin. Non. Mon vieil ami. Ah si. Héros.
Il ne peut pas mourir en vain. Ah bah si. Son pouvoir se concentre ici. Et mon légendaire. Cœur, il peut encore aider Nerel. Donne-le ta pute. Dans ce cas, dépêchez-vous de l'inciser. La corruption s'étend. Je regrette, mais je n'ai pas le choix, Hiro. Non. C'est moi qui ai déçu Abulan. Anna, Ak-CP. Merci, Abulan. Naoué, Awaku. Oh, Eru. Venez. Laissons-le tranquille. Et Ah ouais, merci. Ah non, merci. Ah putain. Oh, légendaire plein. Rune, mot. Ok. J'ai eu la rune. Okay, on écrit des mots. Ah bah ça. Oui. Et je me rappelle, en rune jaune, tu peux avoir Moni, donc ça fait Monique. Tu vas avoir la rune Monique. Ah, je veux la rune Monique. Bon, ça file quoi tout ce bordel là? Bon, tant pis, on la verra. Nous commençons un peu à être à la traîne. Ouais, ça ira. Le cœur suffira-t-il à libérer Nerel? Continuez pour le découvrir. Je vais rester ici avec Eru. Dès qu'il sera remis, je vous l'enverrai. Le conseil voudra savoir ce qu'il s'est passé. Et puis, vous savez, je sais que vous devez vous sentir mal. Mais aujourd'hui,
Vous avez fait la fierté du cercle. Ouais, un petit peu mal au dos, mais on va faire avec. Un pic. Oh, c'est loin. Oui. Non, mais sinon, Kourast. Ouais, Kate Kourast, ça paraît bien. Ah ouais, les mercenaires. Ah putain, oui, c'est vrai. Si, passer rapidement. Ah, j'en fous un portail. Alors, toi. Déjà, Michel. Démonte. Voilà. Ouais, fait la même chose. En vrai, je pense que Ray, dans tous les cas, je vais pas le changer puisque je suis genre un... pas grand chose de son level. Mais on va quand même regarder. Fois plus tard, elle crée une violente onde de choc devant elle, infligeant des dégâts physiques modérés renversant les adversaires. La sélection de compétences principales de mercenaires modifiera l'arme et l'attaque de base. Hein? Ouais, déchirure, je connais. Débloque plein de trucs. Lui. Je vais m'en occuper. Piège câblé. Ouais. Piège traumatisant qui s'active au bout de 0,8 secondes. Lorsqu'une team se trouve à portée, le piège explose, inflige des dégâts physiques modérés, étourdit les adversaires. Bouteille incendiaire, c'est marrant ça. Ok. Et Billy. Je vais faire ce que je peux. Antise envoie 3 âmes fantomatiques contre ses adversaires. Chacune hante ses victimes et leur inflige des dégâts d'ombre modérés pendant 10 secondes. Si une cible meurt pendant qu'elle est hantée, son âme s'attaque à une autre cible. Déferlement de flammes. Cône de feu pendant 4 secondes, infligeant plusieurs fois de suite des dégâts de feu modérés. Ok. Je vais vous couvrir. Tac. On verra. Tac. Ok. Bah ouais, je vais rester avec lui pour le pexer au moins. Okay. Hein. Le peu qui reste. Hein. Et puis je vais pouvoir améliorer ma potion. Si j'allais dire pas ici, mais si on peut. Ce monde est en déclin. Et pourtant, il nous faut tenir. Okay. Votre
relou. Je regrette pour Abulan. Ne vous inquiétez pas. Il était malade. Vous lui avez rendu un service. Je n'en aurais pas été capable. Alors, merci. Bon, dites-moi. Vous sentiriez-vous capable de recommencer? Quoi? Recommencer quoi? Je parle de Nerel. Vous pensez vraiment qu'elle est perdue? Non. Je n'ai jamais vécu de situation désespérée. Mais nous ne devrions négliger aucune option. Elle lutte peut-être encore. Arrête de me forcer à manger. Ou non. Mais... ça aussi. Dans tous les cas, elle a besoin de vous. Ne l'oubliez pas. Quoi qu'il arrive, vous serez à ses côtés. Mmh. Nerel et moi vous attendions avec impatience, voyageuse. Je crois que j'ai Bon Bill Pat qui a gros des trucs de loin. De quoi? J'ai Bon Bill Pat qui a gros des trucs de très loin. Faut vraiment se retaper toute la prison. Ouais, ou... ouais, on rentre par la même entrée, mais il faut se retaper des trucs. Ah, vas-y, coincé. Allô, j'ai coincé. Il est coincé dans le mur. Mais je suis coincé. Ok. Ah non, ça le chemin que nous avons emprunté tout à l'heure est barré. Cette voie est aussi bloquée. La situation s'est empirée ici. Ce que le point de sniper a ses heures perdues, mais tellement. Vous avez fait preuve de courage pour arriver jusqu'ici. Mais sinon, tu sais, Michel, tu pouvais nous ouvrir la voie directe. Cela prouve que Nerel tient. Bref. Non. Non, allez par là plutôt. Il avait assez de puissance. Exactement. Assez de puissance pour une porte. C'était tout. Ah, c'est le lion qui chuchote à la porte, il fait allô. T'as quoi ça? Ah! C'est bon. C'est très chiant. Passe, hein, je voilà. En vrai, il y a maintenant que j'ai vu la puissance que t'octroyaient les niveaux de Parangon, oui. J'ai hâte de tester le
de retester le voleur quand tu fais des dégâts d'ombre et que tu fais tout péter là. Mmh, oh j'avoue. Parce que putain. Ouais ouais, déjà que c'était plutôt pas mal, ouais. Ouais, déjà que c'était bien pété. Et du coup c'est comme à l'époque Diablo 3, le parangon, t'en as à l'infini ou... Je crois que non, c'est limité. D'accord. Je sais plus avant si c'était limité. Je crois que c'était limité à 200 avant et là c'est passé à 300. Oh, je cours. Ah, il y a un gros trou. Oui. Il y a tout cassé. Mais c'est... Le parangon est quand même beaucoup mieux que dans Diablo 3. Ouais. D'un geste de la patte. Bah, surtout que depuis qu'ils l'ont rework. Un faiseur de miracles, ouais. Comme le veut la légende. Ou la doctrine, si l'on en croit le Zakharou. Pour tout vous dire, ce n'était pas une coïncidence si j'ai trouvé votre corps flottant sur la rivière. C'est lui qui m'a guidé jusqu'à vous. Oh, mais chien. Lâche ça. Arrête. Je m'y fais pas cette violence. Et le pire, c'est que j'ai pas du tout un build optimisé de quoi que ce soit. Ah oui, 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 oui. On fait très mal, on gagne en puissance encore et on est resté en normal. Oui. Je n'aurais jamais pensé qu'Akarat m'aiderait en personne. Ou en esprit, devrais-je dire. Mais je suppose qu'une aide mythique est nécessaire pour vaincre un ennemi mythique. Que vous a dit Mephisto, d'ailleurs, dans les champs? Un secret. À vrai dire, il pensait pouvoir me convaincre de le laisser sortir de la pierre. Bon sang, il a fait bien assez de mal en étant à l'intérieur. Vas-y, vote. Pourquoi nous aidez-vous? Ça vient du cœur. C'est beau. De s'émerveiller ainsi. Je vous aide à aider Nerel. Le sort de Nahantu dépend d'elle. Parlez franchement, héros. Une question honnête requiert une réponse honnête. C'est elle qui a amené le démon primordial jusqu'ici. Elle a attiré les aliénés. La pierre a réveillé les aliénés. Mais Mephisto les a créés il y a des siècles. Ils étaient là quand j'étais encore mortel, au moment où j'ai combattu et blessé le loup. Bien avant la chute de Kouast. La pierre est liée à son âme. Il faut y mettre fin. Sauver son âme assurera notre salut à tous et toutes. Allez, elle a besoin de vous. Maintenant. Thank you.
Alors ça, même si j'avais pas pas tout suivi, je reconnais. Ouais. La prison de Mephisto, c'est là. Nirel. Purgeons la zone pour vider cet espace. Un tout petit. Oh, légendaire. Oh, je vais. Là. Mais c'est moi le prendre. Et du coup, il y a toujours le chemin ou pas? Ah oui, il y a toujours le chemin. Hein. On a deux doigts d'aller au pandémonium. Hein. Bon. Ah oui, c'était... Donnez-moi le cœur. Je n'ai pu obtenir la bénédiction du gardien, mais consommer son cœur devrait vous libérer. Et bon appétit, bien sûr. Tarsarak, vous m'aviez demandé si ce que je faisais importait. J'ai repensé à ma réponse. Avec de bons alliés, le poids de nos fardeaux devenait plus facile à porter. Nirel. C'est moi. Je suis là pour vous. Vous ne devez plus affronter tout cela seul. En fait, tu me files ça à bouffer, je saurais même pas par où commencer. Hein, je... Des trucs chelous, les cristaux de la lumière dans votre univers. Clairement. Ah.
Retourner au père de mercenaires et parler à Rahir. Troc. D'accord. Ah, parce qu'il est passé rang 5, d'accord. Ah, quel bonheur de vous voir en vie, mon ami. J'avais préparé un petit discours au cas où Laurat ou vous-même m'auriez suivi. À présent, je vous dirai simplement que je suis heureuse de vous revoir aussi. Vous vous en êtes bien sorti. Je n'étais pas seule. Merci de votre aide. Je m'appelle Hero. Inutile de me remercier. C'est grâce au cœur que j'ai pris aux esprits. J'avais une chance sur deux, mais vous avez rendu cela possible. Vous avez repris le contrôle. Vous êtes de retour au sommet de la pierre. Je dois donc vous demander, que comptez-vous en faire ? Très bonne question. Y répondre nécessitera quelques recherches. Où se trouve la meilleure bibliothèque de Narantu ? Allons à Kourast alors. Quels que soient vos plans, vous aurez besoin de l'accord du Conseil. Promettez-moi de vous reposer ensuite. Comment ? Chaque rêve est mise en scène par Mephisto. Je me reposerai une fois débarrassée de la pierre. Cœur de la haine de turbulence. Et quoi ? Hein ? Ah oui. Là. Non, il me... Déjà, t'es à l'intérieur, tu termines ta quête, il file un level, tu sors, tu reparles à un PNJ, il te refile un level. Exactement. Plus un légendaire. Merci à tous. Évasion. Ouais, mais j'ai déjà ça sur mes bottes. Chiant. C'est quoi ? On recommence à monter un peu en armure. Ouais, vers en ville. Ah, souillé. Vas-y. Et bah Kourast, hein. Ouais. Allez. Allez, je vais me faire péter l'inventaire. Bon, virer tout le magique et tout le rare. Voilà. Donc ça, il faut avoir ça, Youssef. 28. Bon, me chier, quoi. Toi, là. Améliore ma potion. Bon, ça, on verra plus tard. Ça change de se faire péter la boîte mystère. Ah bah oui. Tech. D'ailleurs, faut qu'on voit quand est-ce qu'on va se refaire une session dessus. On sera la semaine prochaine, ça c'est sûr. J'espérais que nous aurions l'occasion de discuter, à part. À quoi pensez-vous ? Quelque chose me turlupine. Dans les enfers, au moment de décider sur qui utiliser la pierre d'âme, pourquoi m'avoir demandé de choisir ? Entre le sang de Lilith dans mes veines et la voix de Mephisto dans mes oreilles, je ne pouvais me faire confiance. Mais étais-je fiable ? J'étais une enfant en deuil, j'étais confuse. J'ai tout gâché. C'était à moi de protéger notre groupe. Tuer était mon rôle.
Donan était notre mage de la pierre, et Lorat, notre chef. Et vous, vous étiez notre boussole. Toujours à indiquer le Nord, Sanctuaire et son avenir. Vous portiez le poids de vos fardeaux, sans les laisser vous écraser. Je m'excuse de vous avoir mis ça sur le dos. Mais je n'ai aucun regret. Malgré les tentatives de Mephisto, vous n'avez pas changé. Cela prouve que j'ai eu raison. Vous me surestimez. La prochaine fois, choisissons ensemble. D'accord, mon ami ? Venez, on nous attend dans la salle du conseil. Ouais, on va surtout espérer qu'il n'y a pas une prochaine fois, en vrai. Hein, je... Non, je chiais vos conneries, hein, vous non. Même si Mephisto qui nous dit « Non, mais mes frères sont, sont de retour », avoue que ça fait un peu plaisir quand même. Hein. Ouais, bah j'ai envie de dire, s'il n'y a pas un jeu Diablo sans Diablo, bon, c'est ouais, chiant. C'est quand même très très chiant. Quel est votre plan ? La pierre d'âme, comme toutes les autres, finira par s'épuiser. Il faut donc la renforcer. J'ai entendu parler d'un immense puits d'énergie situé dans le tombeau perdu d'Akarat. Il pourrait renforcer la pierre, rompre son lien avec moi et piéger Mephisto. Pour de bon cette fois. Vous laisseriez cette gangrène souiller le cœur de Nahantu ? Pas Nahantu, le royaume des esprits. L'un des disciples d'Akarat évoque un passage dans le tombeau vers... C'est encore pire pour lui, hein, Jackie. Ouais, clairement. Un caveau de la lumière où les esprits s'épanouissent. Non, je suis désolé. J'ai été fier de vous aider. Mais je ne peux vous laisser profaner le sanctuaire d'Akarat. Hero, c'était le plan d'Akarat. Il a donné sa bénédiction. Quoi ? Mais... Pourquoi ? Ce conseil ne s'opposera pas aux souhaits d'Akarat. C'est le seul plan que nous ayons si l'on ne veut pas condamner tout sanctuaire. Des tablettes concernant Akarat sont disséminées dans tout le Teganze. Peut-être indiqueront-elles le chemin vers la tombe. Donc, on a fini la quête, on a level up. On sort parler un PNJ, on re-level up. On arrive en ville pour parler un PNJ, re-level up. Des bisous. Pourquoi il veut que je lui parle, lui ? Ah oui. Vous vouliez me voir ? Kourast est une cité ancienne. Vous avez exploré les jardins et les ziggourats, mais il existe bien d'autres lieux sous nos pieds. Ah non, hein. Plus anciens, où personne ne va. Il s'agit des bas-fonds. En temps de paix, les bas-fonds sont un souvenir doux amer. Mais le temps n'est pas à la paix. Des gens ont disparu. Nous avons envoyé l'un des nôtres, le conseiller Siek. Il est parti depuis des siècles ? Putain, j'allais la faire, merde. Personne d'autre. Trouvez Siek. Nous nous inquiétons pour lui. Ah. Oh. La voix, c'est monsieur Ariotti, la voix de Piccolo. Oh, d'accord. Et du coup, les bas-fonds. Hein, pourquoi le donjon, il est marqué avec des griffes ? Avec des griffes ? Bah ouais. Tu sais, ah. Normalement, c'est une grille, oui. Et puis là, c'est gris-griffe. Ouais, c'est parce que c'est une... Un type d'activité, j'imagine. Mmh. C'est ça le logo. D'accord. Bah en vrai, je te proposais, est-ce qu'on s'arrêterait pas là ? Pourquoi pas ? Parce que j'avoue, je commence à avoir un petit fond de mal de tête et je me dis une heure du mat. Ouais. Voilà, je. Bah ouais, ok. Pas de problème. Et bah nickel. Et bah merci pour la soirée. Eh bien, un plaisir. C'était trop cool. Oui. Ah, j'ai déjà hâte de continuer. Peut-être moyen qu'on termine
Bah c'est quoi, c'est vendredi ou bonjour ? Vendredi, ouais. Ouais. Peut-être moyen qu'on termine. Ok, d'accord. Bon, bah, de toute façon, si vendredi on termine, samedi on verra ce qu'il y a sur le endgame, tout ça, tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Il y a encore des donjons qu'on n'a pas fait. Ah oui, avec l'extension, le endgame, on rajoute une chier de trucs là. Ouais, bah, on aura l'occasion de voir ça. C'est aussi la voix de Hercule Poirot, d'accord. Ouais, j'aurais pas du tout reconnu. Après, Piccolo, j'avoue, ça fait trop longtemps pour que la voix me parle. Et Hercule Poirot, ça fait encore plus longtemps, je peux dire. mais en tout cas, c'était très cool. Merci à vous d'être venu ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure des Grands Tichats. Oui. Avec un peu de chance, demain on finit Rim Reborn. Bah, je sais pas. Parce que... En vrai, ouais. Je... Quand même encore pas mal de trucs à faire, puis Juju qui est pas niveau 49. Ouais, du coup. Faire une roulette. Peut-être falloir faire quelques donjons pour démarrer, puis partir sur la marche des preux, et donc peut-être pas de prétorium demain. Oui. Et si prétorium il y a, bon, pense pas qu'on va finir. Parce qu'après il y a encore le combat de l'autre con là. Ah oh, putain, c'est vrai qu'il y a un combat de plus maintenant. Oui, oui. J'avais oublié ça. Mais ouais, non, en vrai, je pense pas qu'on finisse demain, Rim Reborn. Maintenant que je repense à tout ça, ouais, je pense que demain on finit pas. Ouais, compliqué. Hein. Mais non, bah. Au pire des cas, ça là. La prochaine session, et ça sera très bien. Oui. On n'est pas pressé. Non, clairement pas. Allez. Et bien, en tout cas. Donc rendez-vous demain pour les grands tichats. D'ici là, bah, passez une bonne nuit, reposez-vous bien et rendez-vous demain pour nos... Hein ? Ouais, demain. Ouais. Les aventures, tout ça, plein. Des bisous. bah, allez, hein, la bonne nuit et ciao. La bonne nuit à vous, ciao.